vidéo avait coupé, et bah, suite à un appel téléphonique finalement, donc il y aura deux parties. Voilà, c'est la deuxième partie. La lettre J. C'est fait. Lettre suivante. La lettre I. C'est fait pour les I. Allez, lettre suivante. Ah, la lettre E, bon, ça veut rien dire, mais c'est bien d'en avoir un, surtout des petits mots comme cela, là. C'est fait. Et en bas, il doit y en avoir plein aussi. Allez, pourquoi pas gagner sur celui-là, peut-être? Donc il y a beaucoup de petits mots avec le E, donc c'est pas trop mal finalement. Hop là. Donc c'est fait pour les E. Donc il y en avait pas mal. Lettre suivante de la dernière rangée. Un O. Il y en a un peu moins, mais bon. Allez, c'est fait. Allez, deuxième rangée. Un A, pas mal. Faudrait un U, par exemple. Mais je sais pas, là, j'y crois sur ce ticket. On verra bien. C'est fait pour les A. Ça, c'est beaucoup moins bien, puisque c'est un Y. Il y en a un ici, et ce sera probablement le seul. Lettre suivante. Voilà, il n'y a plus de consonne, ça c'est dommage. Un L. Pour une fois, un K serait bénéfique, ce qui est rare. Voilà pour les L, lettre suivante. Un M. C'est fait, lettre suivante, bon bah c'est pas facile, hein. Un X. C'est pas gagné du tout en fait. Ouh là là, ça y est, c'est des lettres qui sont pas terribles d'un seul coup là. Lettre suivante. Un N, c'est est-ce que c'est mieux ça? Allez, premier mot en haut, le mot nom, NOM. Lettre suivante. Un G, pas terrible. Wagon, un mot en haut, mais il n'y en a qu'un seul. Nage, ah, on a deux mots normalement. Nage, oui. Eh ben le ticket est gagnant. Bon, ben, ça c'est bien. Il n'y aura peut-être que 5 euros, mais déjà c'est très bien. Donc le G, il n'y en a pas en bas. Allez, avant, dernière lettre. Un V. Est-ce que j'aurais oublié des lettres? Eh ben non, il n'y a pas de V en bas. Donc visiblement, on a remporté 5 euros. Le mot nage, NAGE, et le mot wagon, WAGON, ça c'est sûr. Il me semble n'a rien avoir oublié. Je revérifie, mais non, il n'y a pas de T. Non. Donc ben, il y a 5 euros. Bah, c'est mieux que rien finalement. Donc voilà. Et eh ben c'est tout. Là, je n'ai pas de cas. Dommage. Pour une fois, il aurait servi. Donc c'est fini. Eh ben écoutez, voilà, on a investi 10 euros. Bon, on a quand même perdu 5 euros, mais on a quand même. Eh ben non, attendez. Défi. DEFI. Eh ben non, il y a encore un mot là. Donc il y a deux mots ici. Donc ça fait 10 euros. Ah bah ben, voilà, super, ça change tout. Voilà, c'est bien ce que je pensais qu'il manquait des lettres, faut faire attention. Eh ben voilà, bah écoutez, il y a 10 euros sur ce ticket, donc il y a deux mots en haut, wagon et nage, et le en bas, non, NOM, et le mot défi, DEFI. Donc content d'avoir relevé ce défi. Donc bon bah la vidéo est en deux parties, hein, malheureusement.
Mais en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera Florence Castel, un cache, un solitaire, un dessert en or. Et après, il y aura le gratteur 2017 avec 7 Astro Gémeaux. Donc voilà, ce sera les deux prochains. Et après, il y aura Back Kevin, c'est fait. Les 7 Astro Verso, c'était fait. Après, il y a la chaîne de l'anonyme gratteur 5 Maxi Goal et Kevin Lola, 2 Rubik's Color et un Jackpot. Voilà. Donc les demandes seront traitées. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!